Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. CRPE 2017, groupement 1. Première partie, présentation du problème. Une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion d'autoroute et d'un nouvel échangeur dans la région de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Montauban. Section 1, représentation géométrique. À vol d'oiseau, il y a 204,4 km entre Brive-la-Gaillarde et Bordeaux, 210 km entre Bordeaux et Montauban, et 145,6 km entre Montauban et Brive-la-Gaillarde. On admet que cette situation géographique est modélisée par un triangle ABC, construit à une certaine échelle, dans laquelle A représente Bordeaux, B représente Brive-la-Gaillarde et C représente Montauban. Dans ce triangle, la longueur AB est 7,3 cm. Question A. Montrer que la longueur AC est 7,5 cm et que la longueur BC est 5,2 cm. Question B. Construire le triangle ABC. Question C. Déterminer l'échelle utilisée pour modéliser la situation. Alors, première section, donc un exercice sur les plans et échelles. Donc, montrer que la longueur AC est 7,5 cm et que la longueur BC donc, est de 5,2 cm. Alors ici, 204,4 km en réel entre Brive-la-Gaillarde et Bordeaux. A, Bordeaux, B, Brive-la-Gaillarde. AB est égal à 7,3 cm. Donc, on peut faire le tableau de proportionnalité suivant. Ici, les longueurs sont en centimètres et réels en centimètres. Ici, 7,3 cm correspond à 204,4. Ici, on va pouvoir faire 3 colonnes. Donc ici, 210 km entre Bordeaux et Montauban. 210. 145,6 entre Montauban et Brive-la-Gaillarde. Ici, X. Donc ça va être ici, AC et BC. Ici, AC, eh bien, ça va être égal à 210 fois 7,3. Donc ici, on fait le produit en croix. 7,3 sur 204,4. Donc, 210 fois 7,3 divisé par 204,4. On trouve 7,5. Ici, 7,5 cm. BC. Eh bien, même chose. Donc, le premier en croix, ça va être 7,3 fois 145,6 divisé par 204,4. 7,3 fois 145,6 sur 204,4. Et on trouve 7,3 fois 145,6 divisé par 204,4. On trouve 5,2 cm. Alors, on va construire le triangle ABC sur GeoGebra. Donc, on va rappeler les longueurs. Donc, AB 7,3. AB 7,3 cm. AC 7,5 cm. BC 5,2 cm. Donc, on va prendre le côté le plus grand. Donc, AC est égal à 7,5 cm. On va tracer. On va tracer ici donc A de coordonnées 0, 0, C de coordonnées 7,5, 0. Voilà. Ensuite, on va tracer un cercle de centre A et de rayon 7,3. Et cercle de centre C de rayon 5,2. L'intersection des deux cercles, et bien ça va être le point P, donc intersection de C, D, 1. Voilà. Je vais effacer C et D, segment, donc le polygone A, B et C. Voilà. Ici, notre triangle. On va ajouter les longueurs, donc ici. Afficher
les valeurs. Donc ici, valeurs, nom et valeurs. Voilà. Donc voici le triangle tracé sur GeoGebra. Alors, donc dernière question, échelle utilisée. Donc ici, on construit le tableau de proportionnalité. Alors ici, plan centimètre et réel en centimètres. Alors ici, 7,3 cm représente 204,4 km. 204,4 km, c'est 204 400 mètres, ou encore 20 440 000 centimètres. 20 440 000 centimètres. Ici, 1 cm, on veut savoir l'échelle, donc x, x égale à 20 440 000 sur 7,3. On va obtenir 20 440 000 divisé par 7,3. Tiens, 1 800 000. Donc, la carte, donc l'échelle de la carte, est de 1 sur 2 800 000.